Et salut à tous et bienvenue pour un nouveau jeu, enfin jeu dont on avait déjà fait la démo en vidéo sur la chaîne, Home Switch Home, le jeu qui fait penser au film The Grudge. Pas mal beaucoup. Nous sommes en live et nous allons partir dans un jeu qui n'est point en français. I'm so sad. Yes. Oui, d'accord, le jeu. Je crois que le jeu essaye de communiquer avec moi. J'espère qu'on va pas avoir de lag. Putain, ce PC. Oh, je l'entends. Dès que je lance un jeu maintenant, mon PC il fait... On dirait une machine à laver. Ça m'inquiète. Un jour, il va me péter entre les doigts, je vais être mal. Wake up. Il n'est pas dur en plus. Ah. It's late, huh? C'est cool. You have to wake up. Tu dois te réveiller. Getting up. Ah merde, par contre, j'espère qu'on va pas... Jane? Parce que nous, on avait testé la démo, j'espère que du coup, le début du jeu, c'est pas exactement la démo qu'on avait faite, ça serait dommage. Last night was way too much. Where the hell am I? Ah, je peux jouer. Je crois que j'avais déjà fait la même connerie dans la démo, d'ailleurs. Ah oui, et oui, c'est vrai, j'avais oublié, le jeu est... pardon. Relativement joli. Trouver un chemin vers la maison. Oui. Pour le moment, ça commence exactement comme la démo. En fait, j'ai installé la démo. Merde. Non, normalement, c'est le jeu complet. Il n'y a rien ici. Pouit. En tout cas, ça me fait plaisir de retourner sur un jeu d'horreur. Je suis extrêmement triste. Qu'on ait fini Remove. Je suis très triste. Ce jeu m'a beaucoup plu quand même. Hein. Malgré ses défauts, ses bugs et tout, je me suis beaucoup amusée. Bam. Prends ma grosse lampe dans ta tronche. C'était violent. Et pour le moment, c'est exactement la démo. Ça m'inquiète. Lord, je suis inquiète. Lord Toshi, prenez-moi la main, s'il vous plaît. J'ai peur. En tout cas, ça va faire du bien de jouer à un jeu d'horreur. Parce que Silent Hill Homecoming, ha ha ha. Oh oh oh. Hihihi. Ah ouais, je me rappelle de cette musique. Ta gueule. Chute, s'il te plaît. La clé! Je peux la... Ah oui, ça c'était bizarre, ouais. Zoom in. C'est une belle clé. C'est une très belle clé. Mais... C'est quoi cette langue? Bon, je l'ai pris en tout cas. N'hésitez pas à me dire pour le son, j'ai pas vu si vous m'avez rire pendu. Pas dur, on parle de Naomi. Il me semble que le début est identique, oui. Oh, ça c'est pas très très bien. Plop. Oui, comment j'utilise? Je crois que j'avais le même problème. Une clé pour une porte fermée, sans deck. Utilise-la, s'il te plaît. Oh là, je crois que j'avais eu exactement en bataillant pour 10 000 ans. Je crois que j'avais exactement le même problème dans la démo et je me rappelle plus comment on utilise la clé. Allô? Eh ben, select. Non, mais je pense qu'elle doit s'utiliser automatiquement en fait. Oui, sort de. Ah, use item. Ok. Oui, merci. Niveau son, c'est bon. Ok. Coucou Miu. C'était quoi ce bruit de chat bizarre qu'il m'a fait? Je vais m'augmenter un peu le son pour moi. Je n'ai pas suffisamment peur. Hey. Hey you. Putain, je l'ai super fort. Ah, trouver la fille et lui demander où est la sortie. D'accord. Est-ce qu'il y a au moins des petits changements? Est-ce qu'ils ont changé au moins 2-3 trucs dans le début? Miu. Merde, j'avais oublié qu'il y avait un truc qui tombait. OMG. Mais j'ai fait un bout trop chelou en plus. J'ai fait un bout de souille. Je ne veux pas identifier ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Je n'arrive pas à identifier ce qu'il y a à l'intérieur, plutôt.
Oui, c'est un jeu pensé VR, je crois. Ouais, quand je vois les menus d'inventaire, je pense. Where did she go? Je pense que ça doit être ça. Où elle est passée? Et pourquoi pas, parce que The Grudge, c'est bien, mais pourquoi pas un jeu basé sur The Ring? J'aimerais tellement, en vrai. C'est une de mes histoires préférées. J'aimerais tellement un jeu The Ring. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Il y a des moments sympas plus loin que la démo. Et c'est moi qui dis ça. Bon bah si c'est toi qui dis ça, ça va... Je suis rassurée. Par contre, ouais, j'avoue que je suis un peu... la fille chiante. Je suis un peu triste quand même qu'il y a un mettre exactement la démo qu'on l'a déjà faite. C'est un peu dommage quand même. Fuck. Bonjour. J'ai galéré ma race! Mais elle m'a pas vu me cacher là! Ça commence bien! Le pire c'est que j'ai eu peur aussi. C'est quoi comme jeu? Hein, je me perds dans le décor, ouais, c'est ça. Il y a un truc dégueulasse et très nul. Je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Saison 1! Putain, pourquoi il y a un salon, je sais quoi. Danger! On devrait quitter cet endroit, sans déconner. Merci, Captain Obvious. Putain, il y a un bug là, graphique, je crois. Bon, le jeu ne rame pas du tout, et ça, c'est très agréable. Un jeu qui arrive à fonctionner correctement sur mon PC est un jeu très bien optimisé. Voilà, 10 sur 10 le jeu, c'est bien. Tu es un gentil jeu. Oui. D'accord. C'est quoi ce bruit? Non mais... stop. Putain. Eh ben. Ah. Je me fais peur toute seule. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à des jeux d'horreur que du coup je me fous les pétoches toute seule. Juste avec les cris en fait, ça me fait peur. Cache-toi. Elle arrive, non? Je sais plus. Elle est flippante. Ouais, ça va. Elle me fait penser un peu à un perso qu'il y avait dans Dreadout, je crois. Avec, pareil, la tenue d'écolière et tout. Je crois qu'elle était pas là, en fait. Pourquoi? What? Ok. Ah non, elle va arriver de là, ok. Où elle est déjà arrivée? Putain, mais c'est chiant, je me rappelle plus, en fait, la démo. Enfin, un petit peu, mais... Trucs qui font peur, évidemment, tu t'en rappelles pas, quoi. Ah, ça, je me rappelle! Ce... Ah ouais! Ah ouais, le gros vase, c'est vrai. Oh putain! Oh là, c'est ce petit son de Mario! C'était magnifique! Ma version de jeu, elle était pas optimisée, j'ai dû baisser la qualité, au minimum. Ah ouais? Putain, bah moi... Moi, là, ça fait le café nickel, hein. Alors pourtant... Quoi qu'il y a des petits bugs, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc ça marche. Donc c'est fluide parce que il ramait de ouf sur mon PC. En fait, je regardais surtout au... Bonjour. Je m'en suis rendu compte surtout en regardant les rediffs vite fait pour voir si ça marchait, ça avait bien marché. Parce que moi, ça va, ça ramait un peu en jeu, mais pas trop. Mais alors vous, sur la rediff, comme ça laguait dès qu'il y avait de l'action, c'est un peu dommage. Mais bon. Je n'ai toujours pas de reflet. Bonjour. Elle est là? Ça fait penser un peu à Dreadout. Par rapport à la mythologie.
En tout cas, le perso fait un peu penser déjà à Dread Out. Ouais. Ah oui, il fallait que je trouve un. Ouais, ça je me rappelle. Et là, elle est là. Ouais. Il me semble que c'est scripté. Non. Quoi que s'il y a des endroits pour se cacher, peut-être pas en fait. Pité Tolopro. Mais j'ai un peu les boules du coup. On va pas se mentir. Oh putain. Je suis désespérant. Ah, il y a le truc. Ok. Nous sommes en cinématique, rien peut nous arriver. Bonsoir Siona. Ah oui, elle va se lâcher un pâté. Ça je m'en rappelais. Et puis après ça va crash, mais non. Mais non, elle ne nous porte pas la poisse. Nick et moi vont trouver la meilleure des musiques, un chef-d'œuvre. D'accord, vous m'enverrez ça. Attends, t'aimerais vivre un truc comme ça, Warren? Je pense pas que tu serais très content de la rencontrer, la jeune femme, là. J'exagère rien, mais bon. Là, c'est scripté, elle est pas là. Elle n'est point là! Parce que c'est scripté. Les scripts, c'est bien. Plop. Je veux pas, je me pisse dessus. Hop. Danger! Vous devrez quitter cet endroit. Mais c'est quoi ces petits messages? On les avait pas dans la démo. Je m'en rappelle pas en tout cas. C'est bizarre. Le jeu qui nous dit arrêtez de jouer, c'est dangereux. Même pas eu. Ah, je me rappelle de toi. Non. Non. T'as d'ailleurs vu que je vous ai sous la main. Bonne nouvelle, enfin. J'espère. Pour vous. Demain, j'enregistre une petite vidéo. Voilà. Ce sera une petite vidéo gaming. Comme au bon vieux temps, je vais essayer de vous faire un truc sympa. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, il y a la lampe allumée, on est tous cachés derrière une autre douche transparente, on ne voit pas, ouais, j'avoue. C'est pas faux. Oh, mais. Ah non, je viens de me souvenir d'un passage qui était relativement chiant. Enfin, chiant, pas chiant, mais. Dès que c'est de l'infiltration, de toute façon, c'est chiant. Et du coup, on va devoir se refaire. Et je sens que je vais merder encore. Et il y a un truc pour se cacher. J'y suis allé en marchant bien tranquillement, genre non. Non, elle est pas là. Prends une photo, il voit une personne en plus dessus. Ouais, ça serait un peu perturbant, ouais. J'avoue. Il fait des bruits de criquet avec. Ce petit bruit de porte trop mignon, quoi. Oui. Je fais bien la porte, hein. Je sais. Ok. Quoi? Mais on voit du sang depuis tout à l'heure. C'est parce que t'as pris des petites gougouttes sur la tête. Ce sont des choses qui arrivent. Ah ouais, voilà. Ça va être là le moment. Infiltration. Oui. Yeah. C'est vrai que la démo était courte, donc on devrait vite voir du neuf. Oui. Ça va l'être. Est-ce que je peux allumer la lampe torche quand je suis dans le... Ha 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 ha
crois que j'ai jamais fait un rire aussi bizarre de toute ma vie. Nao, doubleuse de porte, parfaite pour vos mariages, enterrement, baptême. Voilà. Je vous laisse ma petite carte de visite si vous voulez. Oh merde. T'avais essayé ça, Lord, ou pas? La lampe torche comme ça, t'es cachée dans ton placard et tu sors la lampe torche en mode... Elle me verra pas. Tu lui mets bien dans la gueule. Oh merde. Je peux sortir ou pas? Putain, mais elle fait toujours des petits bruits. Elle m'attend. Putain. Putain, j'ai les boules. J'avance à pas. Feutré. Est-ce que tu m'attends en mode script? Tup tup tup. Non, c'est bon, elle est partie. Mon dieu. J'ai besoin d'un fusible. Très bien. Alors, est-ce qu'elle voit la lampe, du coup? Je ne sais pas. Vu ce qui s'est passé dans le placard, j'ai un doute, là. Oh, oh, oh. On va peut-être éteindre, quand même. Je joue roleplay, moi, madame. Est-ce que tu m'attends en mode script, cette question, quoi? Non. Je sais pas où elle est. Ouh, elle est là. Je crois qu'elle s'en bat les couilles, en fait, de la lampe. Elle est où, elle est où, elle est où? Elle est où, elle est où? Dangereux. Non, tout va bien. Tout va bien, nous contrôlons la situation. Elle est où? Elle est où? Elle est là. C'était par là. Ça va, on y est arrivé d'un coup. C'est peut-être le retour, on va soirée, on verra. Non, 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 non. Non, on n'allume pas le poste. Idée de merde. Fuse. Il s'allume tout seul. Et merde. Attendez. Elle est partie ou pas? Je sais pas si elle a quitté la pièce. Oh putain, c'était hilarant quoi. C'était trop drôle. Je crois qu'on vient de découvrir un nouveau seuil. Oula, on va attendre qu'elle passe. Je crois qu'on vient de découvrir un nouveau seuil de discrétion, quoi. D'infiltration. L'infiltration en braquant ta lampe torche comme ça dans la gueule du monstre. Parfait. L'ambiance est cool, ouais, ouais. Là, je passe rapidement parce que pour le moment, on a déjà vu tout ça. Mais il n'y en a plus pour très longtemps, normalement. Putain, attends, elle va passer juste à côté de moi. Non, c'est... Mais ouais, ouais, l'ambiance est vraiment sympa. Le monstre est bien fait, le jeu est vraiment pas moche. Possibilité que le jeu soit quand même pas mal du tout. Là, je pense qu'on peut passer direct. Bonjour.
Coucou Quentin. Et le Riku, je sais plus si je t'ai dit bonjour, je crois pas. Hé hey, je vais passer. Oh, le bruit m'a fait peur. Pardon. Oh, il y a ça, il n'y avait pas avant, je crois. Ça me dit rien, en tout cas. C'est une petite amulette. Pourquoi ça marche pas? Bastard, damn it, come on! Allez, allez, allez! C'est l'heure de la course! Je suis au maximum, on va courir plus vite. Ah! Putain, elle nous a agressé, ça c'est nouveau! Par contre, je peux plus courir. Et là, on arrive dans du new loading. Bon, ça va, c'était très rapide à refaire. J'arrive plus à parler. Je suis trop petite, vachement vite, dis-moi. Décroche, on sent. Hey Tim, it's Dew. Oh, what's up with you, man? Je viens de sortir de là. Seen you in ages. Je t'ai pas vu depuis. Well. Call me back so I know you're not dead. Appelle-moi pour me dire que t'es pas mort. Pour que je sache que t'es pas mort. Putain, le jeu est vraiment joli. Mais on n'a pas de reflet. Nous sommes un putain de fantôme. Le jeu est vraiment beau. Hein. Ça. En tout cas. Pardon, c'est sûr. Ah oui, alors ça va être compliqué. Hein. Je pense que quelle langue c'est noté du coup. Il dit quoi? Merde, j'ai loupé. Mais. Une liste de contact. Ça doit être Jane, ok. Ah, mais il y a des photos. Ça, c'est notre copine, sûrement, je suppose. Et ça, c'est nous, on est tout flouté. Oh putain, ça m'a foutu les boules ce truc. Vu qu'il y avait un mec planqué. Oui, c'est chez moi. Ça y est, je vais vous faire flipper pour de vrai. Non, la maison est belle. Le jeu est beau. Ça, c'est quoi? Ça prend une photo. Putain, mais on est un peu alcoolique, non? What the fuck? C'est bizarre ça. Ça, c'est bizarre. Je ne peux plus courir. La cuisine. Oh, dégueulasse. On nettoie ces assiettes. Nom de Dieu. Il y a une poêle avec de l'eau dedans. Ou de l'huile, je sais pas, c'est bizarre. Bon bah montons, je crois qu'on a fait le tour. On peut pas appeler notre pote pour dire qu'on est vivant. Ça serait peut-être bien. Hein. Je peux rien ouvrir. Ouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une page du journal de Jane. Le 27 octobre 2012. Sauf qu'on ne peut absolument pas savoir ce qui est noté. C'est bizarre, non? Ou c'est normal? Open Jane Room. Et c'est fermé à clé? C'est bizarre, non? La chambre. Putain, la chambre est putain de grande, elle est trop bien. J'ai une chambre pareille. Bien. Pourquoi Jane elle a une porte c'est fermé? Un dessin de Jane.
Ah, elle a montré où elle avait caché la clé. Donc c'est en face de la table. C'est une espèce de meuble. Ok, on va aller voir ça. Dehors c'est Floux. C'est tout Floux. Poup. Oh non mais lol. Mais qui a ça chez soi? Mais c'est trop bien. Bon, par contre c'est des rideaux solides, c'est emmerdant ça, mais... Carnation Gel. C'est pas des vraies marques? Je sais pas. Putain, mais je veux la même baraque, quoi. Après la soirée avec Nao, surtout ne courez pas. Mais non, faut y aller tranquille. Faut avoir confiance en le script. En le script, ça veut rien dire, non? Du coup, là, il y a encore un truc du journal de Jen, mais c'est con parce que je peux pas le lire. Hey Tim, it's Dew. Ah, mais j'ai déjà écouté le truc. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Ouais, ouais, j'ai déjà, ouais. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Ça doit être là. Par là, là. Qui a la clé? Dans le pot, non? Ou là? Je suis persuadée qu'elle est censée être là. Tu ne peux point sauter. Peut-être en bas. C'est bizarre, je peux rien ouvrir, je peux rien faire. Et ça là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des boutons. Ah, c'est alors. Where is Lucky? Oh, elle est là! T'es bien caché! Ok. Confiance en le script? Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarrement dit en fait, quand même. Je trouve. Commence par voir la pile d'abord. J'ai entendu un miaou trop mignon. Kiki, viens dire bonjour aux abonnés. Oh, Tim, what are you doing here? What are you doing up so late? Oh, I'm Jane. I'm just writing. Oh yeah? Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Yeah, my bed. Okay. Well, it's time for bed. Don't aller faire les cochonneries. Is that Jane's diary? Viens dire bonjour. Allez, monte! Mais... Viens! Et plutôt de me tourner autour. Allez, monte! Hop! Saute! T'es un chat cabri que tu es. Hé! Viens là! Viens! Là! Ah oui! La kiki d'amour! Elle bouge plus. Oh, ok. Bon, au moins vous l'avez vu deux secondes. Alors, on a encore une page de journal. Mais c'est... Ouais, c'est normal qu'on puisse pas les lire. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais quoi? Pète des câbles toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans cette pièce? It's time to bed. Mais du coup, je ne fouille pas le reste. Je vais me coucher. Peut-être bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, ouais. Ah non, je peux pas aller me coucher. Non, c'est alors. J'ai dû louper un truc. Il y a des fils partout. Ah, c'est là. Il y a d'autres pages du journal. Ça m'aide beaucoup. Quel âge ont tes chats? 3 ans, je crois. Peut-être 4. Peut-être plus 4 ans, ouais. Je sais pas ce que je suis censé faire, là. Poète, 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 poète. Regardez, on est tout Floux sur les photos. Mais
Pourquoi il y a des fils partout? Pas normal. Il y avait une touche description, je crois. Ah merde! Sérieux? J'ai pas vu. On aurait pu lire. Ah mais attendez, on peut peut-être les relire. Objectif, ouvrir la porte de Jane. Bah c'est bon. Item. Collectable item. Ah regardez, attendez. Description. Ok. Mais c'est tout en anglais par contre. J'ai fait un rêve l'année dernière, tellement étrange qu'on aurait dit qu'il était réel. Quelque chose où quelqu'un me chasse tout au long de la nuit. Il m'appelle et il me poursuit. La douleur que j'ai ressentie était tellement, tellement réelle. J'ai senti qu'il voulait vraiment prendre ma vie. J'ai tout fait pour m'échapper. J'ai vu la lumière à la fin du tunnel, je suppose. Enfin, à la fin du passage, du chemin, plutôt. Je me rappelle pas du reste. Ça m'a vraiment fait peur. Du coup, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que étaient ces trucs? Hello, Jane? Pourquoi c'est écrit front, back? Je comprends pas. Attendez, on va lire vite fait les autres, quand même, parce que c'est un peu bête. J'avais jamais vu ces choses avant. Mais attendez, je crois que je lis pas dans l'ordre en fait. Je suis vraiment nul. Yeah. Ah, mais non, je vais mettre un peu de touche. 27. Là, c'était le premier. J'ai quelque chose à vous montrer aujourd'hui. Une petite chose de la vie qui est tellement cool. Parce que on a finalement une autre maison. Enfin, c'est Tim qui l'a trouvé pour être exact. Il a tellement travaillé dur et il s'est tellement défoncé pour avoir cette maison, quoi. Ça doit être back, ouais, derrière, ouais, recto verso, sûrement. Mais c'est bizarre parce qu'elle se parlait à elle-même tout à l'heure. Elle battait Jane et tout, donc c'est bizarre. Oh, je t'aime, machin, blabla. D'accord. C'est trop mignon. Je te téléphone dans la cuisine et je regardais. Ah non, elle a posé le téléphone en fait et elle ne saurait plus où c'était. Où elle l'avait posé. Et elle l'a retrouvé dans le lit. Et tu serais pas un peu stressé par hasard, machin? Elle se motive. Il y a des trucs bizarres à propos de cette maison. La télévision est cassée, mais le signal est quand même là. Il y a des trucs qui me font un petit peu peur. Je suis sûr d'avoir entendu une musique de funérailles, un truc comme ça, dans le static. Je t'aime, machin, blabla, d'accord, je suis tellement émue, c'est beau. T'as vu ça? Je transmets l'émotion. Hein. Et donc, si là qu'on l'a pas lu. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. C'est creepy, donc elle flip. Tim est toujours pas rentré à la maison. Il avait pas prévu de. Il avait pas mentionné qu'il allait sortir, quoi. Enfin, qu'il irait quelque part. Mais pensons au karma, peut-être que les choses vont s'améliorer. Et après, elle dit qu'elle flippe et tout. Ok. Donc, il se passe des trucs bizarres dans la maison. Jane est potentiellement effrayée. Elle fait des rêves chelous. Moi, ça m'avance pas beaucoup. La musique vient clairement de là.
C'est bien foutu vu que c'est le truc de musique. Regardez, il y a le DVD qui marche. Excellent. Enfin, qui marche pas vraiment en fait, mais. Vous avez compris l'idée quoi. Ah! Mais non, mais ça, je l'avais vu tout à l'heure. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Les objectifs sont pas mis à jour. Elle est remontée comme une porte qui grince. Oui! C'est clairement ça. Là, j'ai loupé un truc. Bah, c'est bizarre. Je peux pas ouvrir son PC. Me dites pas que le jeu a bug. Quoi, c'est juste moi qui suis un peu aveugle. Avance alors. Mes objectifs ont pas changé, non? Touk touk touk. Ouvrez la chambre de Jane. Et c'est fait! Qu'est-ce que je fais du coup? Tout coup, j'ai loupé une page de son journal et c'est pour ça que le jeu ne lance pas la suite. Lord, sais-tu pourquoi je suis bloqué? C'est quoi ce truc? Mais vous voyez, il y a des trucs par terre chez lui, quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Ces chiottes sont immenses, hein. Je suis désolé, mais... Oh, c'est quoi ça? Ah! Oh, baisse-toi! Une pièce de mystérieuse photographie. D'accord, il m'a pété la même chose. Exactement la même chose. Ouais, donc j'ai peut-être des trucs que j'ai loupés. Cherchons des Andes. Pouet, pouet. Si tu retournes en bas, bah, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Je cherche ça. Regardez le bruit qu'il fait quand il s'accroupit et qu'il se relève d'un coup. C'est pas un truc ça? Ah non. Oh putain, j'ai vu une ombre dehors, j'ai grave flippé, regardez par la fenêtre. En fait, c'est juste que le décor met un moment à apparaître. Enfin, que le reflet met un moment à apparaître. Je me suis fait peur toute seule, très bien. Et pourquoi il y a du PQ sur la table? Non mais on peut m'expliquer s'il vous plaît. Je vois qu'il y a des choses bizarres. Et j'avais déjà redressé ça. Mais voyons. Elle s'est énervée, du coup elle a caché une photo en mode c'est un petit coup. On va réécouter le message, ça sert à rien. Est-ce qu'on aurait loupé un truc ici? Putain, je me suis chié dessus. Ah, mais j'ai toujours ma lampe torche. Ah, mais d'accord, non, c'est juste moi qui suis nul. Il fallait suivre les petits fils. Oh, mais. Mais j'ai pas envie d'y retourner. Clairement pas, non? Non, la poubelle, la petite poubelle bleue, en fait, c'était juste le petit couvercle qui était genre argenté. Moi aussi, j'ai cru que c'était un truc, mais non. Mais attendez, c'est normal? Que je revienne là? Oh! Non! Je veux pas! Oh, je me sens eu, là, hein. Je me sens eu. C'est you. Non mais je crois que personne s'y attendait. Il nous a surpris un peu. Moi j'étais en mode droit, je suis perdu. Il venait de pas bien loin. Trouvez Jay, elle devrait être par ici. Droite ou gauche? Oh putain de merde. Oh putain de merde. Il y a de la poussière, ça le fait trop, say. Mais le mec, ça inquiète pas plus que ça qu'on s'est TP dans un autre monde, là. Non. Clairement, non. Ça te dérange pas qu'on s'est TP? Parce que certes, nous sommes dans les fondations d'un immeuble ou d'une maison. Plus vraisemblablement d'un immeuble, je pense. Eh bien, attends!
Non? On dirait qu'on est retourné là où on était tout à l'heure. Yink! Il y a un truc de démon là. Il y a un truc hindou et un truc de démon. On parlait du karma tout à l'heure. Est-ce que le karma va nous enfiler? Putain, mais on arrive où là? Oh les boules! Oh les boulettes! Ferme la porte! Merci. Alors, on a trouvé une nouvelle proie. Ça ne va pas mieux. Sans nec. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose dans l'obscurité. Un truc ancien qui est dans la maison. Et c'était quoi cette ombre crépi que j'ai vue dehors? J'avais jamais vu un truc aussi gigantesque avant. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Le mec est dans ce genre d'endroit, il y a une meuf qui gueule pas possible. Oh, Jade, c'est toi ou? J'avoue. C'est un bienheureux. Ça ne va pas durer longtemps. Oula! Oh là là! Mais qui êtes-vous? Eh, mais c'est Gandhi? Non? On dirait, hein? Oh putain, mais on est dans une forêt! Il y a des leux! Non! Des leux! Mais pourquoi il y a des assiettes dégueulasses partout? Les gens savent pas faire la vaisselle ici. Il y a des fucking leux. Il me faut une combinaison. Je ne peux pas et allumer la lumière. Et. Quelqu'un vit ici. Je vais tout vous dire ça comme ça. Un groupe de photographie. Tant dire un gang de... Un gang de je sais pas quoi. Et ça c'est le manuel des gangs. Comment faire un bon gang? De Bambi. Les bases. Quoi? Alors, il y a trois différentes couleurs qui convergent. What? Quoi? Convergent vers quelque chose. Bah, c'est les chiffres, non? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et 1. Donc, 5, 6, 1. C'est ça? 5, 6, 1. 5, 6, 1. 5, 6, 1. 5. Parfait. 6. Merde. 1. Oui. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, si on allait dans un Langue d'Arc, ça m'avait terrifié. Ça sent le piège, non? Je vais pas marcher dessus, dans le doute. Par contre, tu peux te relever. Hein. Ah bah non, tu vas devoir trop baisser. Ça m'a pas surpris du tout. Ah ouais, mais... Oh, il y a une lumière là-bas. Il y a une lumière. Ça vient vers moi, vous pensez? Ouais. Ouais, d'accord. Oh putain, j'ai les boules, j'ai vu un truc ramper. Cool. Ah, je vais atterrir dans un autre endroit de la maison. Ferme ce truc tout de suite. Ferme ce truc. Il ne veut pas fermer ce truc. Abruti. Oh là là. Il n'y a rien ici. Putain, ça vient d'où ce truc? The police claim to have captured more than 10 bikers so far, but some fled the scene. Which includes Mr. Pichai Manapebu, a suspect from the motorcycle robbery, and believed to be the leader of the gang. Alors, la police a arrêté un groupe de bikers.
This is Cecil Musawak reporting. Ils ont capturé 10 bikers. Wow. Et un suspect. Hein? Mais j'ai pas compris pourquoi ils avaient arrêté en fait. Putain, y'a pas un truc qui va arriver là avec le bruit que ça a fait? Oh, on a. Quelqu'un a effacé. Oh, ça c'est flippant, franchement. Quelqu'un a effacé les coups de craie. Attends, je suis au même endroit que tout à l'heure en fait. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des petites roses. Excusez-moi. Oh, je les avais pas vus. Merde. Oh putain, ça m'a fait peur. Alors, il y a Madame Shinda Manapaiboon, 60 ans, qui était retrouvée inconsciente. Elle a été amenée à l'hôpital. J'ai pas tout compris. Faites-moi le reste de la traduction, s'il vous plaît. C'est quoi ce machin? Je sais pas, mais je veux pas m'approcher. Oh merdouille! Attendez, dans le doute, voilà. Putain, je suis arrosé complètement! Ok, putain, c'est Toshikro! Dégage! Bon, pas mal le coup du callback. Il est de retour! I get what belongs to me? Il en veut à moi? Donc je crois que c'est pas du tout ça la traduction, mais c'est pas grave. Ils sont toujours en bas? Ils ne sont plus en bas! Très bien. Pas du tout stressant. Ah! Jesus! What the fuck is that? Oh putain! J'ai failli. Oh, j'ai failli faire une attaque cardiaque, là, sérieux. Putain. Ça fait une marche gigantesque. Oh, pas moyen que je m'approche de la fenêtre, mais genre, pas moyen. Oh, putain, je me suis chié dessus. En plus, il y a eu des bruits dans ma maison au même moment. Ça m'a trop fait peur. En gros, ça fait tabasser par trois personnes et voilà, d'accord. Putain, j'ai trop les boules. Ah non, mais je veux pas sortir! C'est mort! J'ai eu un freeze au même moment. Ah merde! Ah bah tu pourras revoir le truc sur la Wadif au pire. Je la mettrai en ligne demain. Mais je veux pas sortir! Pour aller où en plus? Non mais non! Clairement pas là! Ah ça y est, je suis pas bien là! Je vous avouerai que... C'est quoi ce truc? Je vous avoue que je suis clairement pas bien, ça m'a... Ça m'a vraiment terrifié, quoi. Vance! C'est comme les Vans, mais avec un Z? Je ne sais pas. Mais y a rien d'autre, en plus. Putain! J'ai eu le son, mais l'image, ça a frisé. Oh, merde! Fait chier. J'espère que sur la rediff, ça sera bien. D'accord. Putain, j'ai boule du coup. Ah, c'est fermé. Très bien. De mieux en mieux. Hein? Mais attends, il n'y avait pas des planches tout à l'heure?
plus, j'ai mis mon son beaucoup trop fort. Ah oui, nous sommes dans un autre endroit, très bien. Putain, le jeu qui rend fou, quoi. Oh putain, ça fait des petits bruits pas cool. C'est des Wendigo. Ça y ressemble en tout cas. Enfin, peut-être pas de tête, mais le reste un peu. Oh putain, je suis pas bien là. C'est vrai que je suis moyennement bien. Putain, ça fait très Alice au Pays des Merveilles. On n'arrête pas de changer d'endroit et de monde, de décor et tout. J'aime beaucoup ça. Ferme la porte, merci. Il en reste fermé. Tapez pas les portes, vous savez à quel point j'aime pas ça, quoi. Vous n'avez pas le droit. Ça va, vous avez pas trop de lag? C'était juste tout à l'heure le freeze. Attends, c'est pas ce bruit encore. Putain, mais j'ai une boule là depuis la main là. J'ai trop les boules. Once the karma is done with you, you'll be reborn as a ghost. Drawn in wonder to all the places you were once seen. Ah, donc, il sent fantôme et karma. Lost in the eternal limbo. Si vous avez commis des crimes, all of you may be aware of the screams le karma va se retourner contre vous. The sound made by a creature with a mouth as small as a pinhole. Unable to feast, unable to go. Wandering around aimlessly. Quand karma vous a quitté, vous pouvez renaître en fantôme. As it is being tortured. Blablabla. Vous serez perdu dans les limbes. The moral here is not to cause anybody pain or hardship. Because that is where you'll end up. Ça m'a foutu les boules juste d'arrêter en fait la radio, quoi. C'est les frises habituelles, ok. Ah, c'est dommage que vous l'ayez eu tout à l'heure, hein, parce que... N'hésitez pas à regarder la rediff, je la mets demain, juste pour ce passage. Parce que franchement... C'est horrible. Moi, ça a pas freeze, hein, ça a bien marché. C'est horrible. Ah non, 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 non. En haut ou en bas? En bas. J'ai pas envie de monter. Quoique, j'ai pas envie de sortir, vous me direz. Eh ben non, c'était en haut, fais chier. Non, non, non. Est-ce qu'on est d'accord qu'en vrai, si tu te TP dans un monde de cauchemar, en plus de rien dire et de flipper, tu bouges pas d'un millimètre? Oui, je suis assez d'accord, mais bon. Écoutez, vaut mieux bouger et essayer de trouver une solution pour s'en sortir, parce que sinon... Mais oui, moi je pense que je serais en mode figé, si je peux pas bouger et tout. Je sais pas si c'est une bonne idée de fermer la porte là pour le coup. Je pense que ce soit la meilleure idée du monde. En tout cas, le jeu est bien flippant. On a vu deux monstres différents, un gigantesque. Et on a vu que sa main. Hein. Et c'est une espèce de. C'est lui! Je crois qu'il me voit pas parce que je suis derrière le... meuble. La vache! Coucou commentaire, bah t'arrives au bon moment, putain. Oh, bonjour! Je crois que c'est la main du monsieur de tout à l'heure. Putain de merde. Et je sais pas comment je vais faire pour passer en vrai. J'ai le temps de passer là. Ah ouais, j'ai grave le temps de passer en fait. Au revoir monsieur. Bonjour chez vous, je peux pas fermer la porte. Oh, il est très 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 grand.
Il a un rouge, un œil rouge bionique à la Terminator. Il a des putains de grosses mains. Bien terrifiantes, je sens qu'on va le recroiser. Ok, alors là je viens de me chier dessus et de perdre mon tapon en même temps. C'est très aigu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, les chiottes! Oh pitié, pas les chiottes! Y'a rien! C'est une blague. Genre, je peux me cacher dans ces chiottes? Ah ouais, je peux me cacher dedans. Oh là là. Oh là là, je le sens mal. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon tour descend, on essaie encore de descendre malgré tout. Oh putain. Le jeu a chargé quelque chose. Hello, Rose! On a vu un gros gros monstre qui fait un petit peu peur. Et pour le moment, l'ambiance est super cool. Et c'est toujours pas en bas. Fichtre. Et on a bien flippé quand même. Là, en très peu de temps, je trouve que. Ouais, non, ça va, c'est pas mal. C'est une fausse porte. C'est quoi l'histoire? Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le début du jeu, c'était exactement la démo qu'on a fait sur la chaîne Home Sweet Home. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ouais, je me fais un petit peu de pub, ouais, ouais. Et en gros, ouais, on était juste un mec qui était sorti picoler ou je sais pas quoi. Et on s'est retrouvé dans des endroits bizarres. Il y a une fille qui a commencé à nous poursuivre. Il y a une sorte de fantôme démoniaque qui ressemble à The Grudge. Et on rentre chez nous et notre femme a disparu, Jane. Et on a retrouvé son journal intime qui disait que elle faisait des cauchemars, etc. Qu'il y avait des trucs bizarres dans la maison parce que c'était une nouvelle maison dans laquelle on venait d'emménager. Et du coup, voilà, on s'est lancé à sa poursuite et là on se retrouve dans je sais pas si on est dans un monde parallèle ou je sais pas quoi, mais on n'est pas arrivé comme ça. On est arrivé ici un peu par magie. Genre on s'est TP et il y a un énorme truc ici qui est bondieusement terrifiant. Et on a vu aussi des trucs qui ressemblaient à des Wendigo, voilà. Je crois qu'on a fait le tour niveau explication. On va essayer de passer sans crever. Oh là là. On voit pas là, on voit pas, on voit pas. Oula, oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Nope, ouais, exactement. Bonjour. Il sent pas la tartine beurrée, lui, en tout cas. Hein. Putain, je crois que... Je sais pas qui des deux a eu peur de l'autre, mais... Ok, il est parti se mettre un peu plus loin. Très bien. Et ouais, on s'est chié dessus une fois ou deux, hein. Oula, oula. Je prends des risques. En tout cas, ne paniquez pas pour ceux qui ont loupé le début du live. Je mets la rediff dès demain sur la chaîne. Je crois pas que je puisse passer par là, par contre, je vais me dire. Salut! Il y a vraiment qu'il a un œil bionique, quoi. Moment infiltration, ma gueule. Il est pas beau! Ça frise dans les moments drôles, c'est vrai. Merde. Il m'a vu? Mais non, tu m'as pas vu. Merde, il décolle plus son œil bionique de moi. Regarde derrière, voyons. Ah si, merde. Oh, trop tard. Ça a bugué mes mains, pourquoi ça bug, c'est bizarre.
vite. Oh, je me suis un peu chier, celui-là qui se déplace. Attends, je me positionne là-bas avant que t'arrives. Ok. Boum, boum, boum. Oula. Oh, c'est pas beau ça. Hein. Tout va bien. Il ne voit pas du tout. Cours, cours, cours. Ça s'est fermé. Putain de merde. Chut. Et je m'en fous. Ah là. J'éteins, je le rallume. Je suis débile. Et c'est cette main de tout à l'heure qui m'a fait hurler de peur. Vous l'avez vu cette fois ou c'est encore freeze? Parce que je jure, quand tu vois juste la main comme ça, c'est putain de terrifiant, quoi. Oui, il y aura la rediff sur la chaîne dès demain, promis. Demain, au début de soirée, je pense, ou un truc comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je pense que... I'm coming. Je peux enfin descendre. Ah, il va me manquer un truc. Et merde. Il me faut une clé. Zool. Oui. Essayons de trouver... Je regarde vite fait le plan, je pense pas que ça va beaucoup m'aider, mais... C'est jamais. Ah là, mais... Ah, mais attendez, il y a une clé là. Ok, F01. Eh, il y a une note aussi. J'ai pas eu le temps de reposer la clé, je vais la laisser ici, ok. Mince. J'arrête pas de me tromper. Touche. Ouais, non, le jeu a l'air relativement sympa, donc ne vous inquiétez pas, il y aura la rediff. C'est promis. Premier étage, on a vu, donc c'est tout en bas. Hein. Coucou Neko. Coucou Neko. Yay. Je sais jamais s'il faut fermer la porte ou pas. Ah, j'ai les boules que l'autre il remette sa main. Encore une fois, il faut aller chercher une nana. Oui. Coucou les petits noises. Quelqu'un qui est dans les chiottes. Ah non. Ah non. Oh là là. Je veux dire le plus loin possible de l'écran. Ok, ok, c'est occupé, c'est occupé. Il est encore là? Ah non, il perd. Ça a été trop drôle qu'ils soient encore là, putain. Normalus. Je sais pas quand est-ce que le jeu sauvegarde, par contre, je suis en train de me demander. Spécialisio. Alors, ça parle de bouddhisme, d'hindouiste, d'un... je sais pas si je le dis exactement pareil, et de relations relatives. Alors, la préta est une grande créature, un palme tree, avec un truc d'arbre, je sais pas ce que c'est.
une bouche en forme de pineapple, c'est de pomme de pin. Ok. What the fuck? Parce que c'est pas le truc qu'on a vu. Hein. Le truc qu'on a vu était légèrement plus dégueulasse. Il ressemblait pas à un arbre avec une jolie bouche pomme de pin. Clairement pas. Putain, qu'est-ce que c'est que ce gros caillou? Ah, ce casquette. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh là. Ah. Il va me falloir un outil pour ça. D'accord. J'ai clairement pas envie d'aller là-dedans. Je voulais pas déranger, pardon. Faudrait un tournevis, c'est tout ouvert. Ok, d'accord. Je suis un peu blonde, ça arrive. Hein. Putain, c'est le bordel, hein, parce qu'il y a ces crades. Hein. Peut-être dans un vieux truc à un moment donné. Il y a clairement un bruit bizarre. Hein. Oh là là! Oh là là! Faut trouver trop de trucs! Il faut un code! A hint of something? Okay. Ah! Oh! 01, 09, 08! Trop simple! Par contre, je sais pas dans quel sens faut tourner. Attends. 01, 09, 08. Donc 1, 9, 8. Ah, la flûte. 01. Enfin, c'est pas 01, mais bon, il n'y a pas de 01, quoi. 09. Ce n'est pas ça. En gros, dans les religions hindouistes et bouddhistes, et celles relatives, c'est un gros monstre qui a une main en forme de palmier, voilà. Ok. Bah, c'est ce qui me semblait avoir compris. 01, 09, 08. Ah, mais attends, peut-être qu'il y a d'autres trucs sous le bureau, non? Bah, non. Là, il y a rien de marqué. Ah, si, mais je comprends rien. Mm-hmm. Donc, tournevis, faut qu'on trouve un code, parce que ça n'a pas l'air de marcher, mon truc. C'est pas si simple. Et tout à l'heure, on avait un petit code, il était très simple, donc bon, j'essaye, moi. C'est moi qui viens de faire ce bruit. J'en ai aucune idée. Et s'il y aurait pas un petit tournevis? Ah, oh, un tournevis, mais il faudrait que j'ouvre le coffre peut-être avant de partir quand même. Ok, retournons au coffre. Tournons au coffre. Il y a un truc que j'ai clairement loupé. Mais moi, j'ai pas fait 01-09-08, hein. Mais on peut pas faire 01-09-08. Là, je m'en vais. À quoi ça sert de faire ça? Rien du tout, on est d'accord?
Bien. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est clairement pas ça. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Non, je veux pas ça, je veux un indice. Ça a pas l'air très compliqué quand même. 01, 09, 08. Et il y a une petite flèche en bas, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est bon, je crois que j'ai compris. En fait, vous voyez, les chiffres, ils sont inversés en bas. Et il faut faire en sorte que... c'est pour ça qu'il y a une petite flèche en bas. Que le chiffre qu'on voit en bas, ça soit un 01. Donc à l'envers 10. Donc c'est-à-dire... Hop. Donc ça, en fait, le premier chiffre, c'est 60. Ensuite, 01, 09, 08, j'ai dit. Donc 09... 09, il est où? 09... Dès qu'on voit 0,9 en bas, c'est que c'est le bon chiffre. 0,9, il est là. Donc là, c'est un 10. Et 0,8. 0,8 est là. Ça. Oh là 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 là. Je suis trop forte. Et nous avons la clé de l'étage 3. Mais je peux aussi aller voir le conduit. Donc on va aller voir le conduit d'abord, peut-être, non? C'était où? C'était là. Sans les mains! Hey! Ah, mais attends, on est retourné là? À quoi ça m'avance? Je comprends pas bien. Pour montrer que je peux créer des petits raccourcis, je sais pas. Bon. Étage 3. Étage 3 du coup. Oh bordel de merde. Putain. Vie. C'est Jane. Jane. Ferme la porte. Jane. C'était Jane. Celui-là. Mais moi je ferme les portes. Et je fouille un minimum d'abord. Regardez ces cornes, qu'est-ce que c'est que ça? Un corps, une page de journal. I lay down, je sais pas ce que c'est. Je me retrouve dans un étrange endroit, encore et encore. Je pense que c'est les pilules qui m'aident à dormir. Ah non, je pense que je vais prendre des pilules qui m'aident à dormir et arrêter de faire ces affreux cauchemars. Il y a peut-être des rats dans les escaliers pour que ça fasse tout ce bruit. Je pense que je vais investir dans une un piège à souris. Je le jure. Ok. Monsieur Pichau Manapoum Pam Boum. Manapoum Pam Boum. Il a 24 ans. Il est Thaï. Donc c'est un jeu de Thaï, oui, voilà, c'est ça. Ah, il fait partie du membre, du gang. Du gang des bikers qu'on a vu en photo. Ok. Bon, là, Jane, elle a eu le temps de s'enfuir, mais 10 fois au moins. Ah ouais, ils ont essayé de relier aux gens. Ils ont essayé de relier la faire. Putain, y'a un putain d'égage, je vois vos messages que maintenant, quoi. Pour le truc du mot de passe. Oui. Has run into a truck, which resulted in a sharp steel rod piercing through his left eye. Mr. Pitchey was pronounced dead on the spot.
The police are now collecting all the evidence for further investigation. There are still a number of bikers fleeing. Please call 02650. Hop! Tu te calmes? Bon, là, il me faut un truc. Ah, il faudrait. Ah, d'accord, ok, il faut une chaîne. Ok, d'accord. J'ai tout compris. Ouais, par contre, je sais pas quand est-ce que je sauvegarde. Parce que si je fais. Ouais. C'est emmerdant, ça. C'est emmerdant. Ça me rappelle un certain décor d'un certain jeu. Qui l'a là? Qui l'a? Qui l'a? Ah ouais, carrément, oui. Deux décors de jeux. Un bâtiment en construction comme ça. Et quoi l'autre côté? Ouais, il y a un décalage de malade, quoi, un truc de fou. Des fois, je me dis, bah merde, tu sais, je dis une connerie et tout, ils réagissent pas, mais en fait, vous réagissez, mais 20 ans après. Parce qu'il y a un affreux décalage. Non, j'ai peur de m'approcher des fenêtres. Je me crasse. Bizarre cette pièce qui sert à rien. Attends, mais il fait nuit. C'est pas. C'est nuit noire dehors. Là. Oh, il y a eu un zoom sur ma main. Ah, mais mince, on est retourné là. Ah. D'accord, bon, ça veut dire qu'il faut. Que j'aille à... Étage 2 ou 1. Non, je pourrais y retourner. Ça doit clairement être ici. D'où le petit raccourci là que j'ai. Est-ce que quelqu'un a une chaîne dans son tiroir? Mais une grosse chaîne, hein. New. Obligé, ça doit être par là. Putain, j'ai les boules alors qu'il se passe rien. En fait, j'ai les boules parce qu'il se passe rien depuis un petit moment. Et du coup, ça me fait peur. Est-ce qu'on a déjà vu une chaîne? Pas de chaîne ici. Quelqu'un a une chaîne? Ça peut être que là pourtant, non? Là, je peux pas y aller. Il y a des sous-titres à l'interface en français disponible, mais dans le menu, moi, c'était pas. Il y avait pas le truc des langues. Ouais, c'est con quand même. Ça, j'ai envie d'aller voir dans le menu, mais je sais pas quand est-ce que je joue à sauvegarder. Ça m'embête. Où est-ce qu'on aurait pu rater une chaîne, les gens? C'est bizarre pourquoi le jeu m'a mis un raccourci pour revenir ici. Il y a forcément un truc à faire. Pourquoi le raccourci? Putain. Je savais que c'était bizarre qu'il se passait rien depuis un bon moment là. Est-ce que ça va me donner une chaîne cette histoire? Parce que j'ai toujours pas trouvé de chaîne. Monsieur, tu as une chaîne? Toujours pas de chaîne? Ouais, mais j'ai pas de chaîne. Allô, j'ai pas de chaîne. Il y a encore eu un freeze, sérieux? C'est dingue. Surtout qu'il y a que vous qui l'avez, moi j'ai eu zéro freeze. Hein.
Enfin, j'ai pas eu de vague, je veux dire. On retourne ici. Mince, mais où est-ce qu'on aurait pu louper une chaîne, quoi? La flipatouille! C'est trop mignon! Est-ce que quelqu'un aurait vu une chaîne? Parce qu'en plus, on est dans des bureaux et tout, alors la grosse chaîne, je sais pas où je vais la trouver. Mais ça doit être forcément en bas, en fait. Ça doit être forcément en bas. Sinon, ils auraient pas mis un jumpscare. Là, il faudrait que je mette la chaîne ici. Mais... oui, la chaîne, par contre... Ah, mais non, il n'y a pas besoin de chaîne. Mais du coup, pourquoi il fallait que je remonte Il faut que j'aille l'attacher, ouais, c'est ça. On a une grosse chaîne au bureau, c'est bien connu. Ah, du coup, je comprends pas pourquoi il y avait un truc au premier étage. C'est bizarre. Hop. C'est très bien animé. Oui, oui, oui. Ok, ça pue ce bruit. Ça pue. Dépêchons-nous, l'oignon. Le bruit de ses cheveux. J'avoue. Oh, ta mère. Ah, il est là, il est là. Je le vois. Je le vois, le vieux. Ouais, par contre, j'aimerais bien que le jeu m'indique... Oh, merde. J'aimerais bien que le jeu m'indique quand est-ce qu'il sauvegarde. Parce que je commence à avoir envie de faire pipi. J'aurais voulu me faire un thé. Oula 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 oula. Non, c'est bon. Oh, comment je suis une folle! Il m'a retourné la tête en deux en mode allez, c'est bon, tu joues à quoi là? Continue. Oui. Putain, le jeu m'inquiète là. Je continue où? Ça va répondre à notre question de sauvegarde, du coup, je suppose. Impossible de leur dire où. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas de petit symbole ni rien? Ah, bah, juste ici apparemment. Parfait. Ok. Je suis une folle, on repasse comme tout à l'heure. Oula, 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 oula. J'ai fait un petit peu trop la folle. Tu veux pas faire une pause pour faire ton thé et regarder les réglages? Mais... si, mais bon, le live va pas continuer encore très très longtemps, donc... Si on peut, je fais une pause. Laissez-moi juste passer ce passage, après on verra. Attends, par contre, le jeu met longtemps à charger. C'est terrible. Si on passe comme une pro, après il faut un peu moins faire du caca.
Oula. Ouh, j'ai eu peur pour mon cul là. C'est chaud Tabasco, c'est chaud Tabasco. Attends, faut que je passe où là? Oh non 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 non. Mais j'ai clairement pas le temps de passer. Ah, c'est peut-être là. Non. Clairement pas. Continue, bah oui. Voyons. Tilip, tilip, tilip. Tip, 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 tip. Ah d'accord, je reprends juste devant la porte. Je comprenais pas. Il faut que j'aille devant ou... Je pense, hein, je sais pas trop choix. Ça, ce bruit de respiration horrible qui fait. Cours ! Pas trop non plus ! Lampe ! Oh, ça c'est pas cool. Ça c'est clairement pas cool. J'ai vu un truc briller, non? Bélume, bélume, bélume. Oh Jane! Oh non, elle est partie. D'accord. Mission spéciale, Preacher est une âme perdue, piégée dans l'éternelle torture, elle agonise. Ah, on peut offrir de la nourriture pour calmer le prêtard. Poser la bouffe dans un tupperware. Faut mettre un stick dans le tupperware et allumer. Allumer, je sais pas quoi. Pardon. Pardon, pardon. Oh là là, nous attend dans une robe bien moulante, mais... Jane? Tim! Je sens que c'est pas pour faire. Don't follow me! Jane, it's me! Keep away from me! Ah! Ouh. Je suis mort tel un gros caca. Chargement sont un petit peu long par contre. Maintenant je dois me retaper la cinématique. Eh ben. Je relis ça, c'est ça? Ok. Jane? Ah, je peux pas passer là, c'est risqué. No, don't follow me. Jane, it's me. Keep away from me.
tu fasses. Merci beaucoup pour tes deux cadeaux. Il est plein de bulbes dégueulasses. Trouver un endroit pour calmer le péta. Alors on a des allumettes. Bah attends, mais il est où? Oh bon, merde. Je suis en sécurité. Ah, ta mère! Il a enlevé ma table! Pas cool, mec, pas cool. Allez, on y va un peu mieux. Merdasse. Non. Non, 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 non. Ah, mais y a un truc là-bas. Putain, bon, putain. Faut mettre une table bien décorée, allumer l'encens parfumé sur cette table et foutre la boue. Ah, mais gratuitement. Fou. Je sais pas si je peux me relever. Bah c'est peut-être là. Alors. Ah mais il y a des cadenas. Ah. Merde. Non, il nous faut des clés. Putain, je peux pas les arracher avec les mains. Bonjour. Je joue juste devant. Ça fait normal. Oula 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 oula. Ok, Quentin, tout. Traînez pas trop, le live va pas durer trop tard non plus. Ça a l'air d'être une clé, non? Oui. Je sais pas s'il m'en faut une autre ou pas. Ah, il va m'en falloir une autre. Merde. Il y a quoi? Ah, il y a un bout de la mystérieuse photographie. On a trouvé un deuxième morceau. Il y a que ça? Oh merde. Flippant jeu. Ouais, il y a eu 2-3 passages assez flippants, ouais. Quand même, j'ai un peu gueulé. Je pense qu'il faut. Là-bas, j'ai dû louper un truc, peut-être. Aïe. Ouais, y'a une clé là. Ah, cours. Ça va, on peut courir. J'aurais dû rester pour les Antivirus 4. Il y a la rediff Twitch si tu veux. De l'encens, c'est bon. Qu'est-ce qu'il branle? Il est pas content. Faut toujours ouvrir ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fout? D'accord, il s'énerve. Du coup, je ne peux plus sortir. C'est embêtant, je fais comment moi du coup? Ah, c'est quoi ça? Ah, un true en reverse. Et j'ai pas gardé celui de tout à l'heure quoi. N'importe quoi. Le but du jeu, retrouver ça. Bah oui, voilà, c'est ça.
Oui, c'est bon. Okay, ça me permet de retourner ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant du coup? Merde, je peux pas passer ici. Ah, fiche-toi. Putain, t'excites pas, t'excites pas. Voilà. C'est chaud au niveau du temps parce qu'il tombe très très vite l'œil, hein. Du coup, faut que j'aille où là, juste devant. Mais il va nous bouffer tout cru, non? Donc, il nous voit peut-être pas ici. Je vais peut-être pas me relever juste devant lui. Ouais. Je fais eux, mais y'a rien qui se passe. Il va me manquer un truc encore. Oh, est-ce que je peux passer juste en dessous de sa main ou pas? On va pas tenter le diable. Son œil. Je sais pas. Ah, mais là on y est déjà allé. Mince alors. Qu'est-ce que je fasse du coup? Oh là 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 là. Oh putain, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait peur. Ah, par contre, me dis-toi qu'il faut toujours commencer. Faites qu'il y a une sauvegarde. Je pense qu'il te manque de la bouffe. Bah ouais. Ah, j'espère qu'il faut pas toujours recommencer depuis le début. C'est chiant. Oh non, je recommence tout depuis le début. Merde. Bon, c'est quelle heure? C'est 20h. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. C'est déjà pas mal. Je sais pas combien de temps on a joué en tout. Mais je pense que c'est déjà bien. Hein, on va s'arrêter là, mes petits moignons d'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette Ronifly vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite.